Allez, salut à tous, c'est Mafumis30 et bienvenue, bienvenue pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Jack 3. Ah ouais, là des fois ça va laisser sur ça, donc autant se laisser sur ça. Ouais, on est à peu près stylé, à peu près je dis bien. Et on s'avait laissé là avec ces types bizarres avec leur... Ils sont maquillés, ils sont classe, mais ils sont un peu maquillés bizarrement. Et ils ont l'air très calmes. On va voir comment ça va donner. Excusez-moi les gens. Mate un peu ces drôles de types. Chouette costume. Je savais pas que le caoutchouc était à la mode. Qu'est-ce que tu fabriques, le moine? Ça ne te regarde pas, l'animal. Eh, hey, la fashion victime, on n'a pas eu une semaine facile, alors fais gaffe. Rien n'échappe à la reine, sombre héros. La haine brûle dans ton regard. Super, merci pour l'info. Elle va te détruire, tout comme les précurseurs se sont détruits. Rien à voir avec les autres trucs de précurseurs qu'on a vus. Ces objets ne sont qu'abominations. L'un d'eux est tombé sur le grand volcan. Nous avons envoyé des moines dans la montagne, mais ils ne sont jamais revenus. Sinistre présage. Je crains que la transformation du monde ne soit proche. Je crois que le soleil t'a tapé sur la tête. On y va, Jack. Vous devez partir d'ici. Les héros croient pouvoir sauver le monde, alors qu'eux-mêmes sont perdus. Vous n'avez aucune idée des forces noires qui sont à l'œuvre ici. Ne me parle pas de forces noires. Je veux savoir ce que c'est. N'approche pas. Je crois qu'on va le découvrir. Et oui, ils sont un peu tapés ces gens-là. Ah, ça faisait longtemps une face comme ça. Ça faisait longtemps. Depuis Jack 2 avec le truc de Onin, hein, vous me direz. Donc on va pouvoir le découvrir. Ça va, ça a pas l'air très compliqué. Il n'y a que 75 à faire. Un début du jeu. Il y en a plus tellement après ça, si je me rappelle bien. Enfin, il y en a pas tellement dans le jeu. Mais on a un petit assis. Ça fait plaisir. On verra bien si plus tard on en aura. Ouais, ça va, ça a l'air assez facile. Et c'est vrai que, comme Daxter a dit, ils ont vraiment un costume bizarre, ces types-là. Essaye de se donner un jour. Ouais, vraiment, c'est des moines, en fait. Des petits moines. Moines de je sais pas où. Mais des moines, quand même. Avec leur beau marque faciale. Si ça les amuse. Putain, si on en rate... Ok, ça va être assez stylé, quand même. Ouais, ça rend bien, pour l'instant. Allez, 75, on y est presque. Alors, on arrive bientôt aux 60. Voilà, 60, bidon. Bah ça va, je pense pas qu'on loupe. Oh, je l'ai loupé tellement bêtement. C'est même pas comme ça que je l'ai loupé, c'est moi-même qui ai appuyé trop tôt. La touche préventive. Ça c'est dommage. C'est tellement préventif. Voilà, j'ai réussi, bidon. Allez, cinématique. N'y touchez pas, de l'écho noir. Ouais, ça t'en pousse à quoi, hein, mec? Tu peux le féliciter? Ce sont des cristaux d'écho. La légende veut qu'il renferme le pouvoir extraordinaire de la technologie précurseur. Étrange. Ce dialecte est ancien. C'est du précurseur des premiers temps. Ça parle de reprendre possession de ce monde inachevé. On dirait des coordonnées, comme celles de... Le signal capté est très puissant. J'ai comme l'impression qu'on va pas aimer ce qui nous attend. Toi, tu ne peux pas nous sauver, héros. Eh, c'est moi le héros ici. Appelez-moi l'éclair orange. Tu portes peut-être la couleur de nos créateurs, animal, mais nous nous sauverons nous-mêmes. Reste en dehors de ça. Toi et l'éclair orange n'êtes pas les bienvenus. Il nous appelle. Il appelle vraiment Daxter l'éclair orange. Mais c'est vrai, c'est quand même. L'éclair orange. Je sais pas la classe. Et quand même, j'aime bien. De l'écho noir. C'est comme si c'était fait. Bam. Et tu... oh, comment il peut faire pour toucher l'écho noir? Ça va, j'ai été nourri à l'écho noir pendant plus de 2 ans, donc t'inquiète pas que l'écho noir et moi, ça se connaît. Et si tu serais quand je m'énerve comment ça se passe, tu dirais pas ça non plus, mon petit gars. Aïe. Et oui, il va avoir différentes missions aussi. Enfin, différentes missions, c'est pas vraiment des missions entre m'en parler vraiment réellement, mais c'est... Ces petites missions qu'on va pouvoir avoir pour avoir quelques orbes. Par exemple ici, 4 gemmes crâniennes. Ça va, les gemmes crâniennes ne vont pas nous servir pour avoir de nouveaux pouvoirs ici, dans ce jack. C'est plutôt pour dévorer des niveaux pour avoir des orbes. Pour débloquer certains trucs, comme vous avez pu voir. Comme je vous ai montré durant le premier épisode. Je vais même pas écouter ce qu'il a dit. Ah oui, c'est ok. C'est prendre un orbe. Je sais déjà où ce qu'il est. On va le chercher. Il est tout là-bas. Si ça lui fait plaisir. On va chercher. Comme le 2, je me rappelle un petit peu à chaque fois
les orbes qu'il va avoir, pas tous, surtout celles du début du jeu. Quand même une bonne partie quand même par contre. Que je me rappelle. Comment je l'ai raté. Comment je le rate. Tu vas monter là-haut et tu vas le réussir. Merci. Oh non, le pauvre, c'est vrai. Il craint l'eau. Il meurt dès qu'il saute dans l'eau. Les pauvres. Je vais en tuer. Hein. Pas grave. Il y en a plein partout. Le type, le... Oula. Là par contre, c'est ainsi qu'on le fait. Ok, bon son plongé. Enfin, mon son... L'eau... C'était pas si mal que ça. C'était plutôt un saut plongé que j'ai dû faire après. C'est plutôt ça que je voulais dire en fait. Allez, 2-10. Ça va, ça avance bien, ça avance bien. 10 ainsi. Et les pots du secret peuvent toujours être achetés. Je le sais. Il dit ça à chaque fois que je peux avoir un nouveau truc. Ou alors que. Qu'il semble que. J'ai assez pour encore un autre truc. Ou alors c'est juste de la promo pour faire de la pub. Ah, tu dois dépenser. Sauf que je vais pas les dépenser pour des bêtes comme ça. C'est surtout pour les images et tout ça que j'ai utilisé. Ou pour d'autres choses. Allez. Récupérons, comme j'ai dit, la créature, puisque elle sert à ça. À mon ami, dégage-toi. T'es sur mon passage, et toi aussi. Non, toi je t'ai dit. Enfin, ça d'aller, on s'en occupe pas. Fais encore une petite mission comme ça, pour avoir quelques orbes. Ça va être pas mal. Oui, si, cette fois-ci. Ah, ça va être alors un truc de course, enfin, pas un truc de course, mais d'anneau ou quoi. Réussis ce défi des anneaux. Ouais, défi des anneaux, je m'en doutais. Je pense que c'était un truc du genre. Il nous donne rien, mais j'ai déjà le mien. J'ai pas besoin du tien. What, comment on a été trop. Comment on l'a loupé. GG. GG Mafia. Moi je dis GG Mafia. On croit en toi, on croit en toi. Si toi t'es le héros, on est dans la même. Oui, vous avez vu plein de. D'hommes. Spoiler, on peut pas les avoir tout de suite. On pourra pas les avoir tout de suite, malheureusement. Je voudrais bien, hein, je voudrais bien, mais. Mais je peux pas les avoir. Non, pas tellement. Enfin, pas du tout, même. C'est pas tellement, c'est pas du tout. Je peux pas les obtenir tout de suite. Vous découvrirez plus tard pourquoi. Mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Plus loin, plus loin. Mais pas mal. Malheureusement. Pas soit. Là, pendant que je parlais des anneaux, là, il faut les franchir et. Je pense qu'on approche bientôt de la fin. Ah non, je vous rappelle qu'est-ce que je vais faire ici. Allez, on va faire le beau saut. C'est bon, là. On l'a eu, on l'a eu. Où est la fin? Elle est là. Voilà, nickel. 20. On a bien avancé, hein. 20. C'est pas mal. Hein. Merci, mon ami. Oui, je sais que je peux toujours les acheter. Il va nous rappeler à chaque fois, comme je vous dis. Hein. Il aura jamais assez de nous le dire. Je pense qu'il n'y en a plus. Ou en tout cas, il n'y en a plus pour l'instant. On les fera plus tard, s'il y en a encore. On verra bien. De toute façon, on en débloquera aussi en faisant l'émission... progressivement. Et d'accord, on va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Je suis désolé, les Andorus. Je dois te laisser. Regardez, il leur regarde dans les yeux. Je dois te laisser. Daxter, il n'a rien à foutre, regarde la caméra en mode. Je la regarde. Tiens, tiens, voilà les petits nouveaux. Cause toujours, gros plein de soupe. On verra bien. Ferme-la, Fastora, ou je t'écrabouille. Oh, ça sent vraiment pas la rose. J'ai trois mots à te dire. Brosse à dents. Chouette bolide. Ils sont cool, hein. On s'en sert pour aller au fin fond du désert et y récupérer des objets. Engins d'enfer pour boulot d'enfer. Et on les essaie quand? Excellente question. Mais prendre cela, ça c'est pour les grands garçons. Vous, vous pouvez prendre celui-là. Ah, le taco! Il est fait pour toi. Monte, Dax. Je conduis. Qu'est-ce que tu dirais de pimenter un peu la course? Si tu gagnes, tu pourras garder ce petit bolide jusqu'à la fin de tes jours. Et si je gagne? J'ai rien à proposer. Ton rongeur de malheur est un peu maigrichon, mais sur du pain et du beurre, j'en ferai bien mon 4 heures. Mon bolide contre lui. Oublie ça, mec! Jack ne ferait jamais! Ok. Quoi? T'inquiète pas, s'il y a bien un truc où j'assure, c'est la course. Ouais, on a quand même remporté le championnat du classe 1, battant Erol et tout ça, quand même. Mais, Lexer, c'est vrai que sur du pain et du beurre, tu ferais sûrement bon. Un bon 4 heures, jamais te le dire. Ah, une partie du jeu que je vais vraiment adorer. En plus, à regarder le style qu'il nous donne. C'est à cause du sable, il faut mettre des lunettes comme ça. L'autre façon, bah, on a encore un autre chose, regardez. On a encore autre chose pour l'autre œil. Mais franchement, cette partie du jeu, je l'adore. C'est peut-être bête, c'est pas ça la plus importante, mais... Enfin, dans celui-là, un peu plus quand même. Vous allez pouvoir découvrir que dans celui-ci, les véhicules vont vraiment être plus intéressants. Donc c'est une partie que j'aime beaucoup. Dans le 2 j'aimais déjà bien beaucoup les séquences avec les courses.
Donc dans celui-ci, on va avoir beaucoup plus de véhicules que vous allez pouvoir avoir. Oui, on va les débloquer, ils sont pas juste là pour le style. Je ne dis rien de spécial, je ne spoil rien. Vous l'aurez sûrement compris facilement. Et j'adore, franchement j'adore. Dérapage ! Quelle classe ! Et là on va pouvoir faire une petite course. Mais d'abord il nous explique comment faire. Mais comme j'ai déjà fait le jeu un nom, un calcul à deux fois, je sais exactement ce qu'il faut faire. Ici je sais, il faut sauter. Voilà. Comme je vous ai dit. Et là c'est la fameuse course. Avec l'autre. Avec Cleaver. Le chèque Cleaver. Et on va pouvoir le battre. Parce que oui, on va savoir le battre. Tellement facilement. Là c'est pas le jeu qui parle. C'est vraiment moi qui parle. Je sais que je vais pas. Salut. Premier, voilà. La dernière place, on passe premier. Par contre le boost, maintenant. Allez boost. Ça rappelle le 2 un petit peu avec les boosts qu'il y avait devant les courses de véhicules. Donc je vous apprends rien pour ceux qui auraient suivi le 2. Si vous l'avez pas suivi. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez voir depuis le 1 déjà. Et ensuite. Pourquoi vous regardez l'épisode 2 et pas le 1 avant et pas regarder les autres avant? Bon, limite à pas avoir vu les autres avant. Non, c'est un crime. Allez voir tous. C'est un crime, ça. Ils sont loin, regardez sur la carte. Ils sont loin. Enfin, loin. C'est vite dit. Hein. Pour moi, ils sont loin. Pour eux, ils sont tout près, mais. On a eu le boost. On va pas les utiliser tout de suite. Pas tout de suite. Ici. Voilà. Avec ça. Comme ça, on passe sous l'eau. Enfin, sur l'eau plutôt. Et comme ça, on n'a pas le ralentissement. Parce que c'est ça le problème avec cette eau, c'est qu'on a un ralentissement si on se le prend. Aïe, 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 ça passe. Allez, premier tour de vie. Plus que deux. Comme avec l'épreuve des bombes, ça. Rappelez-vous dans Jack 2 avec le jetbot. Il reste exactement 2 minutes. Sinon, ça va faire. Boum. Là, ça fait boum avec mon véhicule. Oula, dépêche-toi. Le point rouge, en fait, c'est Cleaver. Si vous voulez savoir, c'est quoi le point rouge, en fait. Je sais, il est loin derrière Cleaver. Il est nul. Il est très nul, à ce que vous pouvez voir. Il a pris ma place, en fait, du début. Il va rester là jusque là-bas. Bah, je sais pas exactement. Ouais, par contre, lui, derrière, je crains. Et non, pas de boost ici, parce que ça sert à rien. Ici, dans la ligne droite, ça va servir. Mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Maintenant. Puisqu'il n'y a rien qui peut me bloquer. Ok, j'ai rien dit. Allez, on va se rassurer. Il reste un tour après ça. On se rassure. On peut se rassurer tant bien que mal. Oula. Ici, par contre, on va passer comme ça. Ah, si vous passez ainsi. Je vais en profiter alors comme ça. Voilà, autant profiter. Pas s'amuser à faire le grand tour si on peut profiter ainsi. S'il faut que je fasse gaffe avec les roues ainsi. Oula. Ah. Allez, ça passe. C'est passé. Voilà, nickel. Allez, plus qu'à tour à tenir, Jack. Allez, montre que t'es le meilleur pilote. On le sait tous que t'es le meilleur pilote de cette ville. T'es l'un des rares pilotes même de cette ville. Ils connaissent que des combattants. Toi, t'es un combattant. Et en plus, t'es un pilote. Te demande le peuple. Ils veulent tout. Ils veulent un pilote, un guerrier. Y'a quelqu'un qui s'est protégé. Bon, c'est un guerrier. Enfin, ça dépend le quel genre de guerrier. Il y a des guerriers qui savent juste se battre et pas protéger quelqu'un. Ils protègent leur vie déjà, c'est déjà beaucoup, non? Mais bon, là, on est là pour l'arme de la course. C'est la course de la mort. Non, parce qu'il n'y a pas d'arme. C'est la course, là. Juste simplement la course. Ah, peut-être pas dû utiliser ici. Trois tifs. Trois tifs encore. Toujours trois tifs. Et ça va, s'en sortir. Là, ouais. On a vraiment de l'avance. Là, on va garder le boost là au cas où vraiment que à la ligne d'arrivée il y en a un qui serait là. Tu vois, Cleaver il a surmonté jusqu'à la deuxième ou troisième place, quelque chose comme ça. Je pense deuxième, je suis pas sûr. Et là, on peut l'utiliser juste pour kiff. Oh yeah! Regardez la classe avec ses lunettes. Enfin, surtout le côté quand on regarde vers Jack, la gauche avec le truc rouge, avec la lentille rouge, ça rend mieux. J'ai du mal d'entendre moi malheureusement. Vous avez sûrement mieux entendu que moi. Mais nous allons pouvoir avoir aussi des défis avec dans
les plaines de sable, quoi. Autre endroit, autrefois sacré, dans le désert. Dans le désert. C'est sûrement un truc à aller chercher. Et je pense savoir où ce qu'il est. Il est tout au fond, en fait, vers la gauche. Ah non, c'est pas celui-là. Ah ouais, celui-là, j'ai toujours galéré à savoir où ce qu'il était, en fait. Là, celui-là, je vous avoue, j'ai toujours galéré à savoir où ce qu'il était. Pourtant, je sais que c'est à tout bête, c'est ça le pire. Mais j'ai toujours galéré à le trouver. J'ai jamais compris pourquoi. C'est indigne de... Pourtant, c'est à tout bête, je le sais. Je vais essayer. On va voir. Où est-ce qu'il peut... Attendez. Ah, il y a un truc que je viens de remarquer par rapport à notre véhicule. Attendez. Si c'est ça, attendez, on va voir. Ah, je l'avais vu dans l'arc de la caméra. Bah, après toutes les fois que j'ai fait ce jeu, c'est la première fois que je vois ça. Si vous faites pause au moment qu'il nous montre l'endroit, vous pouvez voir que notre véhicule, on le voit à travers l'image, en fait. Au loin, en fait. On peut le voir. Au loin, à droite, on peut le voir. J'aurais pu assez, en fait. Ouais, avec deux, je serais rien à faire, malheureusement. Et oui, on se fait attaquer, en fait, ici. On se fait attaquer, c'est la merde. Bon, on va pouvoir les esquiver facilement. On est tout près de la ville, donc... il n'y a pas de souci, mais... Oula, oula. Par contre, vraiment les esquiver. Ah, j'ai raté mon saut. J'ai plus la main. J'ai plus de mal à la main. Sur le guidon, j'ai plus la main. Sur le guidon, je vais vous dire. Allez, retrouve en ville, au moins, on sera tranquille. On est tranquille. Joli coup de volant. Mon assistant prétend que tu assures question pilotage. Je me débrouille. Il pourra nous être utile, Damus. Tu devrais le garder pour l'instant. Vraiment, Pecker. Il y a pas mal d'objets à récupérer dans les terres pelées. Les récentes tempêtes ont soulevé le sable, ce qui a exhumé des objets enterrés depuis des siècles. Prends le véhicule et trouve un maximum d'objets avant que la prochaine tempête n'éclate. Et autre chose, si la tempête te surprend, tu peux faire ta prière parce qu'elle te réduira en poussière. Ah bah super! Bonjour les encouragements! J'aime bien. Damus, il fait des rimes. Et ça, c'est la classe. Il fait des belles rimes. Ah oui. Il y a aussi ces séquences-là, qui vont retrouver des petits objets précurseurs. C'est pas forcément celle que je préfère, surtout avec eux. Surtout avec eux, et surtout avec le taco. Ce taco. Allez, la feinte. La feinte, il faut faire la feinte. La feinte toujours, la feinte, il faut croire à la feinte. Voilà, notre véhicule est quand même plus rapide que le tien. Et ça, ça a pas le prix, mon gars. Et un petit objet précurseur. Ah. Cool, comme tu dis, Daxia, c'est cool. Mais bon, on en a qu'un là. Et c'est pas quelque chose. Regardez comme c'est bizarre, comme ces objets. C'était ça les précurseurs qu'ils avaient. Ils avaient vraiment des drôles de goût à leur temps, hein, les précurseurs. Je sais pas pourquoi ils aimaient ce genre d'objet, mais si ça leur fait plaisir. Mais ça aussi, hein, ça antique. Non, non, c'est surtout moche. Non, c'est juste moche au fait. Et là, il y a des gens de là qui vont me faire comme ça. Mais non, tu ne te rends pas compte de la beauté de cet objet. De sa valeur. Ouais, ouais, apprends à sauter. D'abord. Et après, tu sauras la valeur. La valeur de récupérer tous ces objets pour l'argent. Voilà pourquoi je me bats pour l'argent. En fait, non, Jack, il se bat jamais pour l'argent. Oula, comment... Ah, ou alors pour ça, pour le style. Voilà pourquoi je me bats pour le style. Ça, c'était tellement classe. Non, franchement. Avouez, c'était classe, non? Un minimum. Un petit peu. D'accord, pas du tout. Enfin si, c'était classe à fond, comme ici. Non, ça par exemple c'était merdique. Ça je l'avoue, c'était vraiment merdique. Et être comme ça, emmerdé, c'est encore plus merdique. On va faire tout à tour, comme vous avez pu remarquer. Tout à tour pour chercher tous ces objets. C'est bon, on est passé. Par contre ici on va voir un peu plus compliqué avec eux. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? J'ai peur. Yeah, ça va passer. Avec difficulté. Mais ça a passé. L'eau est un ennemi avec les véhicules. Vraiment un ennemi. C'est le pire ennemi que vous pouvez avoir dans le jeu avec ce genre de véhicule. Parce que ça ralentit à mort. On va dire qu'on peut se faire après tellement facilement déglaguer. Vous pouvez voir, bien sûr, notre véhicule a de la vie. Et quand il n'y a plus de vie, ben, vous devinez la suite. Comme avant, ça fait... Boum. Ça a raté. Oh, ça a gridé. C'est bon, maintenant on va pouvoir rentrer au village en fait. Maintenant qu'on a le dernier, sauf que ça va être compliqué avec eux. On va se démerder mieux qu'on peut pour pouvoir rentrer assez facilement.
On va essayer du mieux qu'on peut, comme je dis. Je crois que ça va pas être évident, je le sens. Je crains le pire, en fait, avec eux. Je crains le pire. Allez, 40 secondes. Est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir? Oula, il y a 3 véhicules devant. Il y a 3 véhicules. On n'y voit plus grand-chose. Si on y voit, t'inquiète, Daxter, j'ai mes lunettes. Je vois exactement tout ce qui se passe. Allez, saute. Ah non, on a fait une tournante. 360, passe au-dessus. Voilà. Allez, là. Allez, 20 secondes, on y est presque. Allez, on y croit. Je sais qu'on y est presque, on y croit. Ouvrez les portes, Shazam. Ouvre-toi, ou plutôt Spargus, là. Yes. On l'a eu. Bien joué, c'était juste. Oh, alors ça vous intéresse, Dame Mystique? Ce sont les objets qui m'intéressent. Nous en ferons bon usage. L'armure que vous avez trouvée est très rare, en fait. Baker affirme que c'est celle que Mar portait lorsqu'il se battait pour défendre cette planète à l'époque. Vous en aurez besoin. Croyez-moi, c'est certain. Et une nouvelle pièce d'armure. Un truc aussi qui va se rajouter. Et qui va nous rajouter des cœurs de vie, comme vous pouvez voir. Ces bracelets comme ça. Ça fait vraiment stylé. Comme si c'était fait pour nous, quand même. C'est vraiment acheté comme si c'était fait pour nous. Ah, on va pouvoir se laisser là après. Mais avant de se laisser là, on va pouvoir s'amuser avec un petit truc que vous allez pouvoir voir. Je pense que c'est maintenant, j'en suis pas sûr. Voyons voir. Oui, je suis pas sûr, on va voir. On va le découvrir. On va voir les moines qui sont là. Salut moines! Vous êtes encore là? Ouais, on vous laisse balader. Bronzer un peu. Ce n'est pas un jeu. Un peu quand même. Je suis Sim. Nous, les moines, avons juré de garder les secrets des précurseurs. Ces lézardosaures nous permettent de nous rendre où tu ne peux aller. Oh, quel drôle de mélange! On a vu un troupeau de cambois il y a pas longtemps. Sale bête, ils se sont assis et... Vous ne ferez pas long feu là-bas. Le cristal d'éco-noir du satellite, je le veux avant qu'il n'atterrisse entre de mauvaises mains. Battez mes moines et leurs lézardosaures à la course et vous aurez un cristal blanc. Sienne comme d'hab. Allonge. Et où elle est la ligne de départ? Il s'est vraiment moins fait bouffer. Ouais, à vos moines! Prêt! Partez! Ah, franchement, j'adore ces. Je le veux, le cristal. Oui, mais alors pourquoi tu me donnes un cristal blanc si je gagne? Eh ben, je veux le cristal noir. Mais si tu gagnes, tu auras un cristal blanc. Ouais, quoi? Je pensais que tu voulais récupérer. C'est même pas. En plus, c'est pas qu'il a dit. Bon, bah, si tu perds, tu me rends le cristal blanc. Non, c'est. Si tu gagnes, t'as un cristal blanc. Ouais. Si tu veux. On va suivre ta logique, moine. Ah, monsieur Daxter, à vos moines. Et ça s'en rend bien quand même, hein, à vos moines. Moi, je trouve que au cours, il faudrait dire comme ça. À vos moines. Ça fait quand même pas mal stylé. Cette course est. Ma foi, un peu trop facile. J'avais plus difficile en véhicule, hein, sur le sable. Hein. Là, il n'y a même pas de sable ni rien, donc c'est assez facile de gagner, je veux dire. Ça, c'est bidon. Où est la fin où est l'arrivée? Parce que là, je m'ennuie, on va dire. Par contre, je m'ennuie, mais pas trop longtemps non plus. Je m'ennuie, mais ça va, en fait. Ça va, mon gars, t'inquiète pas, je m'ennuie pas trop non plus. Eh oh yeah. Non. 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 Non, la ligne. Je l'ai eu. La classe. Ah, ça te calme, tête d'écaille. Dégage, sale bête. Bien, le héros. Le cristal est à toi. Associer les cristaux blancs et noirs génère de puissantes énergies. Fais très attention. Et lorsque tu mourras, aie la gentillesse de Néron. J'en ai pas l'intention. Pourquoi ça t'obsède à ce point? Voilà pourquoi. L'étoile du jour approche et elle brille de plus en plus. Le jugement dernier de cette planète est imminent. Ouais, on a un cristal blanc. Vraiment, l'association du blanc et noir dans... avec les cristaux. J'ai jamais vraiment compris à quoi qu'elle savait. Mais pour avoir, il ne nous dit pas, vous avez tellement de trucs. Salut, bestiole. Mais j'avais... quand tu mourras, et la gentillesse de me rendre. J'y compte pas. En fait, il compte pas mourir, j'aime vous le dire.
Je sais pas s'il veut rendre le cristal ou pas quand il sera mort, mais il compte pas mourir, donc c'est pas avant longtemps que il rendra le cristal. Enfin soit. Prochain épisode, je vois que je pense qu'on va retourner à l'arène dans le prochain épisode, ou alors il faut voir Damus. Un des deux, au choix. Bah, je vais pas avancer plus loin, comme ça on découvrira ensemble. Je ne sais plus réellement, je pense qu'on... Non. Ou alors on va voir l'arène pour aller voir... Enfin, Damus pour aller voir l'arène. Aucune idée, on va pouvoir le découvrir de toute façon. La prochaine fois, sur ce, il faudra être là, présent durant le prochain épisode. N'hésitez pas à commenter pour dire votre avis, et à laisser un petit j'aime, si vous voulez faire connaître ce lespier. Et sur ce, je pourrais vous dire à la prochaine, et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!